Coucou, bonjour à tous. Alors je fais une petite vidéo Animal Crossing New Leaf. Je parle tout doucement parce qu'il est tard et que Léa dort à côté. Enfin, elle essaye parce qu'elle est enrhumée. Bon, j'espère que tout va bien à Kingston. Reflet par contre qui est pas super, bon, je vais essayer de baisser un peu. Voilà, c'est mieux. Bon, j'ai toujours plein de courriers dans ma boîte. Est-ce que je peux prendre des choses? C'est plein. Donc je vais déjà aller chez Risette. Poisson, un piège, ça. Ouais, c'est tout. Le Roméo. C'est un peu le reflet là. Poser des choses là. Là. Ça commence à être un peu encombré pour chez moi. Là. Du coup, je vais aller prendre mon courrier. Alors, je vais mettre. Attendez. 1, 2. Oh, il y a mon petit pec qui arrive. Oh, j'espère bien. Bon, c'est quoi ce sol céramique là? On a quoi comme sol dans la cuisine? On va essayer, hein. Et puis je vais aller mettre le pull en bas, le pull que m'a donné Peck hier. On va le poser ici. Mais qu'est-ce que je fais moi?
Voilà. Allez, hop, sous. On remonte. Peut-être qu'en bas, je pourrais en faire une pièce avec, je sais pas, peut-être que les objets que m'a donné Peck, pourquoi pas. Ça pourrait être une idée, ça. Mais bon, comme c'est ma réserve à ballon et à tenue officielle, c'est peut-être pas... ça aurait été bien si j'avais pas eu d'autres trucs avant, mais... Bon, alors on va aller chercher ce qu'il y a dans cette boîte aux lettres. Sauvegarder, mais j'ai combien de lettres là? Oh là là, ouais, oui, ça c'est tous les trucs que j'ai commandé la dernière fois dans le village témoin. On va aller chercher la dernière. Ah bah oui, c'est mon... C'est la statue antique d'hier. Alors... Hop, et maintenant je vais faire... Toc, toc. Retirer le cadeau. Ouvrir. Ouvrir. Ah bon, j'ai un ballon. Bon bah on re-rentre. Je vais mettre mes ballons en bas. Alors souvent vous me demandez comment j'ai les ballons, comment j'ai eu les ballons, bah voilà, je les ai dans le village témoin. C'est-à-dire hein, quand vous faites du street pass, et ben vous allez dans les villages témoins et là des fois il y a des petits persos que vous rencontrez qui vous donnent des ballons. Le cœur vert et le cœur orange, est-ce que je les avais déjà? Non. Si, le cœur orange, oui. Ok. Ben voilà. Vous voyez mon super halogène. Donc là, on a quoi maintenant? Sac de couchage. Oui, c'est assez marrant. Distributeur de jouets. Bon, tout ça c'est des trucs qu'il faut que je mette dans l'armoire en fait. Je peux pas passer par là. Ah, ça c'est Peck. Petit Peck. Bien sûr, un aloès. Ok. C'est sympa, bah maintenant tu rentres chez toi.
Ouais. Parce que je vais aménager un petit peu ma maison. Alors. Galéré hier pour trouver un truc à Wendy, du coup ça m'a fait de la place. Panneau d'anniversaire, radar de bord, et on va tout ranger. Oh, j'ai pas trop plus de place que ça quand même. Hein. Pas trop plus de place que ça. Bon. Du coup, qu'est-ce que j'ai là? Attendez, on va faire ça. Vestovaria, statue antique, il faut qu'on aille vérifier. Ah oui, la Loès, qu'est-ce que c'est la Loès? Oui. Mais comme c'est un cadeau de Peck, tiens, on va le mettre là. Mais ça cache un peu mon gyroïde. Bon, c'est un peu le bazar. Je vais enlever l'île parce qu'on n'a pas besoin d'un lila. Statue antique, il faut qu'on aille voir ça. Distributeur de jouets. Allez, je vais mettre un sac de couchage à la place. Voilà, hop. Je vais aller chercher mes fossiles. Et on va aller vérifier si l'œuvre d'art est bonne ou pas. Alors, on va taper dans la pierre quand même, on sait jamais. Donc en fait en ce moment je mets pas ma ville à jour parce qu'il y a tellement le bazar partout, il y a tellement de trucs partout par terre que j'ose pas montrer ma ville. Oh bonjour. On va examiner mon fossile déjà. Alors maintenant, je voudrais que tu me dises si mon œuvre est bonne ou pas. Voilà, la statue antique. Bon, j'y suis vraiment allée au coup de cœur, hein, donc... Oh! J'ai eu du bol. Ah, ça c'est cool, ça. Ça c'est vraiment cool. Bon, alors... c'est là. On va aller voir où est cette statue antique. Mais elle est là. Voilà, bah c'est génial. Donc
bout de la période jaune, chaque coquille d'eau, artiste inconnu entre 1000 et 400 allongés du critère 8. Chaque coquille fait référence aux lunettes fondues utilisées par les Inuits pour se protéger du soleil. D'accord. Très classe, hein? Il y a un petit air de ressemblance, vous trouvez pas? Regardez ça. Ouais, je trouve. Hein. Surtout les yeux. Bon, allez. J'aimerais bien avoir un nouveau badge. Hein. Alors, il y a du monde. Bon, je me vois là. Voilà, il n'y a rien sur ma place là. Hein. Bon, les étis c'est fermé, il n'y a pas plus. Bon. Ah. Bon, personne dans le camping. Ah. Oh non. J'aimerais bien aussi avoir d'autres projets publics. Donc du coup peut-être j'ai enlevé le banc jaune là, enfin je sais pas. Je ne sais point. Il n'y a pas grand chose. Ah, qui recycle encore. Je vais aller vendre les deux miens chez Risette. Donne-moi des souris.
ben, je n'ai pas vendu ma... Attendez. Oui, 6500 euros. C'est clochette. Très bien. Alors, attendez. Je vais lui reparler. Voilà. Et là, j'ai quoi, là? Distributeur de jouets, Ellie Carnaval. Voilà. Alors, le lit carnaval. Non, le lit carnaval. Mais non, 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 non. Non, c'est pas ça. Moi, je veux te vendre. Oh. Voilà. Le lit carnaval. 12 000 clochettes. 1000 clochettes. Ouais. Ok, on va aller voir Serge, on va voir s'il peut nous transformer le distributeur de jouets. Allez, fais-moi un distributeur de jouets rose. Il va bientôt revenir dans une demi-heure. Voilà. Ok, fais-moi un truc rose. Tiens, oh, bonjour toi. Coline. Vas-y. Ok. J'adore. Bon, on est à 23 minutes, il en reste un peu moins de 10. Alors, je vais essayer de faire un défi. C'est-à-dire que, on va dire que le premier habitant que je rencontre sur mon chemin, je dois réaliser son défi avant la fin de la vidéo. Ok ? Allez, on y va. J'espère que ce sera plus facile qu'avec Wendy hier. Ah bah c'est Peck. Oh ben c'est facile. Ok. Donc voilà, c'est sûr, on a réussi. À moins qu'ils partent se cacher comme la fauche, je les cherchais partout là. Allez, un petit fruit. Bon, moi, ça va être un défi super facile, j'ai de la chance. Allez, tiens. Alors, oui, il a une orange. Oh, mais cool. Bon, il a une... Il a une puce sur la tête, mon petit pec. Voilà. Euh...
Donc, on va aller mettre la veste rouge avec les habits de PEC. Alors, on descend. Voilà. On va tourner peut-être. Voilà, c'est mieux comme ça. Bon. Je vais peut-être pas les garder les habits que me donne Peck parce que en bas je voudrais vraiment que faire en fait vraiment les tenues officielles quoi. Je vais vous remontrer. On va faire la robe de mariée, la tenue de mère, qu'est-ce que j'ai, la tenue de Père Noël, voilà. Ouais, il faut que je fasse ça. Mais le reste, je vais peut-être donner quand même. Oui, c'est sûr même. Allez, je redescends encore. Je vais aller chercher les habits que je ne veux pas garder. Et je me ferai que des tenues officielles. Passer par là. Allez, on va les revendre chez Risette. Je suis désolée hein, pour les reflets. C'est encore ouvert. Je pensais que ça fermait plus tôt que ça. Tant mieux. Hein. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, je voulais voir ce qu'ils vendaient bien aujourd'hui. Carpe. La carpe. Bah voilà. Ah, attendez, on va essayer de trouver des petites carpes. Il nous reste 2-3 minutes là. Un barbeau. Allez, on continue. On va essayer de se choper une carpe. Allez, on va remettre un flambeau. Si c'est intéressant ou pas. Ah, oui, une carpe. Et un barbeau. Ouais, ça va. Ok.
écoutez, on a eu un petit défi facile, on a chopé une carte qui était l'article du jour. Voilà, voilà quoi. Et ben, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Mettez un petit j'aime si ça vous a plu et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.